30 minutes plutôt. Content de te revoir, Claire. On a une affaire à régler, toi et moi. Bah t'es qui ? Qu'est-ce que vous voulez ? Tu sais très bien ce que je veux. Ah non, c'est ça. Apporte-moi le pendentif ou Sherry meurt. Le pendentif ? Pourquoi faire ? Tu veux que la fille meure ? Bien. Où êtes-vous ? L'orphelinat. L'orphelinat ? Où ça ? Dans le quartier. Tu le trouveras. Chérie va bien ? Pour l'instant. Espèce d'ordure, si tu lui fais du mal. Ça sert à rien de faire ça, je vois pas pourquoi. J'y crois pas. Elle l'insulte au téléphone. Mais merde ! Ce que tu peux faire, c'est l'énerver et... Attends un peu, enfoiré. Il prend toutes les cartes qu'il a, le mec ! Différent du 7, le 7 franchement est vraiment... Il était bien quand il est sorti en fait le 7. Mais quand tu vois ce qu'ils ont fait là, en fait le 7 au final il est pas bien. Il est très différent et pas vraiment intéressant. En tout cas pour moi maintenant. En tout cas. Dans Resident Evil 6, Chris ? Ouais, non mais... Non mais dans Resident Evil 6, c'est n'importe quoi. Léon, il fait des acrobaties de fou constamment. Faut passer par le parking, faut retourner vers le bas. Le bestiaire du 7 est une honte à la licence, exactement. C'est ce que j'ai dit ça plein de fois. Genre les monstres de boue noire, là. Mais laisse tomber, quoi. Alors que dans les Resident Evil, tout le long de la série, il y avait tellement de monstres différents. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de prendre un truc plus lourd. On va faire ça. On va prendre ça, on a des balles et on va prendre... J'ai envie d'enlever la crosse aussi. Attends, par où on passe ? Oh là-bas, je suis perdu encore. C'est cet escalier-là. Donc on monte sur le toit. On prend l'échelle. Sur la terrasse, on redescend. Need to sleep, yes. Ouais, Ada aussi. Ada aussi, elle est un peu abusée. Avec son grappin et tout, ça fait manga, c'est tellement con. Ça fait pas du tout réaliste et tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? Collection privée. Attends, là, escalier de secours. Salle du garde. Ouais, non, c'est bon. Mais Elia a raison. Je crois que je vais un peu avancer, après je vais m'arrêter. Je veux juste qu'on sorte en fait et qu'on voit Kendo. Oh merde, il doit être derrière moi. Non, pas derrière.
super, c'est super. Faut vraiment que j'arrête de me faire choper par l'arrière, c'est vraiment relou. C'est vraiment... Ah, ils ont tué Wesker, fallait pas. Et c'est pas le bon endroit en plus. Si ? Il faut retourner au hall principal. Ça, c'est le chemin de Léon, ça. Il faut retourner au hall principal. Honnêtement, j'ai envie de recharger pour refaire cette partie. Mais putain! Je crois. On est pas du tout au bon endroit, hein. On est d'accord. Je me rappelle plus du tout. Ça reste dans l'esprit du premier opus, de l'original. Ouais, grave. Ils ont bien respecté tous les trucs. Enfin, respecté. Il n'y a pas à respecter, c'est qu'ils ont pris vraiment l'histoire principale et ils l'ont retourné pour faire un nouveau jeu. Par derrière, ça veut dire quoi par derrière? Oh la vache, je suis perdu. On a passé tellement de temps sur Sherry. Les fesses. On va s'affaire, ça se passe pour le moment. Tu veux pas me dire l'entrée? C'était dans le bureau du chef en fait, tout simplement. C'était tout simplement dans le bureau du chef. Fallait prendre l'ascenseur, tout simplement. Je crois qu'on va s'arrêter là. J'en peux plus.
j'en peux plus. Tu brûles? J'ai eu un succès, chapeau bas. Je vais enlever le chapeau. Oh, le truc, il s'énerve là. Oh la vache, calme-toi. Oh, c'était une mauvaise idée! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, restons pas là. La bonne. Ouais, ça va, il s'arrête avec quelques grenades. Non, mais je vais m'arrêter là. Oh. C'est pas moi. Pourquoi est-ce qu'il est encore debout ? C'est pas moi ! Eh bien! Tiens! Vache. Ok. Ok, deuxième! Ha! Bon, y a Mété! Oh putain! Oh la vache. Yamete. Oh la vache. Wouh. On va s'arrêter là. Ah, je crois qu'on est mort avec Claire. Ah oui, non, parce que je m'étais perdu dans le commissariat avec Claire, en fait. Bon, c'est parti. On va se zapper parce qu'on avait vu la dernière fois. Tu je me rappelle pas des trucs. Fait ça, crois-moi. Allez-vous-en. Faut récupérer les clés. Que quelqu'un vienne m'aider. Pauvre imbécile, y a pas d'issue. Y'a Mété. Je dois me cacher. Un peu la partie chiante. Mais bon, on sait ce qu'on doit faire, donc ça va vite. C'est terminé maintenant. La porte est fermée. Où es-tu? Montre-toi. Attends que... Je sais que tu es ici. Plus je mets du temps à te trouver, et plus ça va barder. Ah merde, faut tourner. J'ai oublié. Je vais se faire attraper. Sous la table. Y'a Mété. C'est super exposé quand même, hein, je veux pas dire. Mais y'a Mété quoi. Arrête de faire ça. Pitié, je vous en supplie. C'est ta dernière chance, t'entends? Montre-toi! Allez! Ouh! Putain! Oh, ça brûle! Le Brancton. Oui, la dernière fois, je m'étais perdu avec Claire, donc on n'avait pas sauvegardé.
Il y a clé. Clé, 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 go. J'aurais bien voulu voir où il a récupéré la hache quand même. Hein. Je sais pas où il l'a pris la hache. Fini de jouer. Non. Maintenant je te tire. Ça va, il protège sa fille. Faut pas la faire chier à l'école, hein. Sinon, il y a son père qui se ramène. Et content de te revoir, Claire. On a une affaire à régler, toi et moi. On va passer ça parce que la conversation à l'école. Attends un peu, enfoiré. Je vais te défoncer la gueule. Alors putain, je vais me planter. Alors il est où mon bouclier? Il est où mon lance-flamme? Comment on utilise le jetpack? Comment on vole? Putain, on n'est pas dans le même jeu. Bureau du chef. Ascenseur. En thème, exact. Ok, on vise comme ça. Alors, on a Uno Glonade. Bon, on a ça, parking, c'est pour ouvrir, ok. On a plein de place, on va peut-être prendre autre chose. On a plein de place. On n'a pas beaucoup de soins, donc à la limite, je dirais, on prend plus de choses pour se défendre. Je dirais. Munitions gros calibre. Ouais, on va faire comme ça. On va prendre plus de choses pour se défendre, parce qu'on n'a pas beaucoup de soins. On a 3 plantes vertes et après on a un mix, et c'est tout. Meilleure munition, on gère. Pour le moment, munitions, on gère. Donc go. T'as envie de refaire la mission? La même mission 80 fois sur Anthem. Il y en avait qu'une. Oh non, mais arrêtez, faut pas dire du mal d'Anthem, les gens. Ça va me faire mal à mon cœur. Il y avait un boss. Il y a bien. C'est déjà sympathique. Ah, ok, là. La manivelle, on l'a toujours pas. Ça m'étonne un peu, ça. Peut-être que la manivelle, en fait, on la trouvera jamais. Et les portes verrouillées aussi, celles-là, là, les deux, là, on les ouvrira jamais, je pense. Je pense que c'était que pour Léon. Oh la vache, tu viens d'où toi? Ne pas lui tirer dessus sinon il s'énerve. Sinon il court plus vite. Ok, go. Kendo, aide-moi.
Oh la vache, comme elle est lente. Kendo! Je sais pas si on va le trouver, Kendo. Vache! Attends. Y'a un quelqu'un. Kendo! Non? Zombie? Oh merde, c'est un zombie ça. Ok. Tu veux pas m'aider? Non? Ok. Impossible de passer par là. Impossible de passer par là. Je fais quoi? Oh la vache, me tape pas. Et on fait quoi? Ah, ils ont ouvert ces connards. Bon, c'est un peu comique là quand même. De trottiner et le mec il te suit comme ça, c'est un peu comique. Là, ça enlève un peu la peur. Y'a quoi là? Y'a rien. Là, y'a rien. Attention, zombie, à droite. Tape-le. Wow. Ok, go, par là. On va prendre ça là. Non, oh non, ça c'est bien. Je vois pas d'autre chemin. Attends, le mec il me poursuit même dans les salles de sauvegarde et là. Là rien? Bon, d'accord. Ah, il y a une plante? Ah non, c'est un bout de tissu, j'ai envie. Tu vas avoir besoin de munitions? Aïe. Oh. Oh non. Ah ok, tu peux monter dessus. J'avais peur. J'avais peur en fait de l'animation, s'il fallait le pousser, est-ce que ça allait prendre du temps. Je suis sûr qu'on aurait pu passer à côté en fait. Putain, elle est rapide en plus. Même pas besoin de faire touche action, elle monte dessus direct. Cool. On le saura pour la prochaine fois. Encore des chiens. Charge vite. Recharge vite. C'est une façon de parler. Donc on peut pas aller dans le magasin. Bon. Oh, vache, le con. Le coup, tout change. On est un peu rouillé. Ah, pour le revolver, ouais, c'est balle par balle. En plus, elle enlève les douilles qui ont été utilisées et après, elle met la nouvelle balle. C'est stylé. C'est très réaliste pour une fois. Non, non. Attends, vite. Ok, on a une porte. On a la porte là. Ça craint. Sérieusement. Encore, ils sont pas extrêmement résistants. Oh putain. Oh, non.
Ouais, ça va, non, ils sont pas résistants du tout. Je les tue parce que vraiment ils sont sur le chemin. Mais faudrait économiser les balles, on a quasiment plus rien là. Par contre, il y a des objets. Zombie dans le bus. Ah, il avait très très faim le chien. Il avait très très faim, c'est pour ça qu'il a escaladé. Google. Alors, fini Resident Evil? Claire? Pas commencé. Oh, fait chier. Moi qui dois crier, pas toi. Ça doit être l'orphelinat. Léon, scénario A en normal en une heure. Putain, comment tu fais en une heure? On va regarder. Arrivé à l'orphelinat. J'arrive, chérie. L'orphelinat ressemble beaucoup à la... Ah merde, dans Resident Evil 3, c'était quoi? Où Jill, elle finit... Enfin, elle doit combattre Nemesis, là, il y a un clocher et tout ça, c'est une église. Un manoir. Ça y ressemble beaucoup. À part le grand clocher, quoi. Je regarde les techniques sur les routes. Ouais, je regarderai, tiens. Perkin, G1 au couteau, putain. L'hôtel de ville? Ah, peut-être l'hôtel de ville. Il n'y a pas d'objet. Oh! Okay. Eh oh! J'ai le pendentif! Connard! On va aller... Faudrait aller à un coffre, en fait. S'il y a Berkin dans le coin. Ta faute ! Trop tard ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh mon dieu ! Mais tu te tais ! Enfoiré, William ! Oh mon dieu ! Oh la pauvre. Enfin, elle était déjà morte, mais bon. Oh non, t'es sérieux? Oh, ok. On va faire le tour. On va faire le tour. On va voir s'il n'y a pas un coffre de l'autre côté. Ça va? Ouais, reste là. Je pense reprendre FT surtout et laisser retomber le soufflet herbe avant de reprendre. Ok, ça marche. Alors là, ce qui serait bien, c'est que l'histoire nous montre... Chérie ! Est-ce que t'es là ? Nous montre...
montre plus ou moins que c'est à cause de William si, si les égouts sont pollués de monstres là. Là, ça serait bien qu'il y ait un petit morceau d'histoire comme ça. Un raccoon là à l'entrée. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu un raccoon aussi avec Sherry. Oui, oui, exact. Bien. Lettre du directeur. Au sujet de l'incident en question, je suis ravi que vous appreniez que vous avez été réglé. Candidat, si tu sembles être retourné obtenir à l'aide, rapidement été interprété par votre équipe. Ah, ça c'est encore les trucs de test. Essai clinique du labo, il était possible qu'il ait emporté le virus avec lui. Nous avons donc éliminé tous les candidats par précaution. Leur éradication rapide a été menée à bien par l'équipe de sécurité, à laquelle j'aimerais transmettre tous mes remerciements. Donc, une fois ce site entièrement décontaminé, je compte reprendre rassembler les sujets expérimentaux potentiels. Waouh, super. Juste une cinématique en plus. Voilà. Raccoon à l'entrée. Je me rappelle plus où on l'a vu, le raccoon. Là, je crois. Ouais, là. Merci de me l'avoir rappelé. Ok. Salut Milicia. Je comptais me le prendre. Je voulais juste savoir si la jouabilité était la même que R7. Non, pas du tout. Part de la gestion de la caméra qui est toujours très spéciale. Non, là c'est du troisième personne. C'est comme le 4, 5 et 6. C'est pas la première personne. Et c'est pas des caméras fixes. Gameplay est très bon. Gameplay est très bon. Très réactif. Très... très bien. Pour ce genre de jeu en tout cas. Bon, c'est parti. Oh putain, je veux pas descendre. J'ai pas de coffre. On a... Allez, go! Je sais pas ce qui m'attend. On va voir. Mais de rien, de rien. Pour moi, nettement mieux que Resident Evil 7. Nettement supérieur. Point de vue gameplay. Si on parle que du gameplay, point de vue Chérie, gameplay. Chérie, où es-tu? Okay. Concentration. Qu'est-ce que tu fous derrière des grilles? Putain! Cours, cours! C'est Mister X, ça. Claire! Il est derrière toi! T'arrêtes pas! Putain, qu'est-ce qu'on... Vite! Ah! Te retourne pas! Mais pas... Viens, rentre! Oh, putain, j'ai eu peur. Il est où ton père? Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux. Ne bouge pas. Oh, Annette. Un infecté. Qu'est-ce qui...
Chérie. Birkin 1. Où est-elle ? Mister X 0. Chérie va bien. Vous la connaissez ? Quelle incroyable démonstration de force. Que lui est-il arrivé ? On doit évaluer la situation. Qui êtes-vous ? Moi, c'est Claire. J'avais pas prévu ça. Excusez-moi. Où est-elle ? Allô ? Hein ? Oh, oui. Annette. Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à William ? Je sais pas. De qui vous parlez ? La créature responsable de tout ça. Quoi ? Aidez-moi à retrouver, chérie. Je dirais qu'il évolue beaucoup plus vite que prévu. Où allez-vous ? Écoute, j'ai pas le temps de répondre à toutes tes questions. Tout est sous contrôle, d'accord ? Je dois retrouver, chérie. Ne t'occupe pas de ma fille. Tout est sous contrôle. Ah, oh, on l'a remarqué. Ah, c'est super sous contrôle. Eh, vous avez vu ? Tout est sous contrôle. Hein. Y a aucun problème. Où est passé, chérie ? C'est marrant parce que dans cette version, la femme, donc Annette, elle est... C'est un peu plus une... C'est quand même une connasse. C'est un peu une connasse. Dans cette version. Donc, waouh ! Ouais, enfin Birkin, il a complètement défoncé Mister X. Il l'a quasiment coupé en deux, quoi. Oh la vache. Une orpheline qui a une mère et un père. Je pense pas... Non. Je pense qu'elle restait dans l'orphelinat, en fait. Parce que ses parents étaient occupés à travailler dans le labo de Umbrella. Donc en gros, allez, c'était la garderie pour elle, je pense, surtout. Ils n'avaient pas trop le temps. Hein. Mais chérie, à chaque fois, elle se plaignait que ses parents n'avaient pas trop le temps de regarder après elle, enfin de s'occuper d'elle et tout. Ok, on peut descendre. Chérie et sa fille. Oh, you, yes. Plutôt autiste obsédé par son jeu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Munition améliorée. À propos de G. Ouais, et sinon, Mister X, c'est un tyran. C'est un vrai tyran. Mister X, c'est un vrai tyran. William, c'est juste un monstre. La nouvelle créature qui surpassera les humains. Permettez-moi d'annoncer quelques détails relatifs à sa physiologie et ses fonctions biologiques. L'intelligence du sujet commence à affûter ses fonctions linguistiques disparaîtront en quelques jours. Il perdra alors sa capacité de raisonnement et son humanité. Je serai une créature totalement instinctive, guidée uniquement par un besoin de survie et de reproduction. Sa vision est cellulaire, donc ses évolutions particulièrement rapides lui permettra de s'adapter à tout type d'environnement. De plus, sa capacité étonnante à se régénérer le rendra extrêmement difficile à tuer avec une arme légère conventionnelle. Comportement reproductif. La caractéristique la plus remarquable de G sera son désir intense de se reproduire. Il recherchera instinctivement des humains à l'ADN proche du sien afin d'y implanter un embryon. Ah, ah, la chance de succès sont cependant faibles et si l'ADN n'est pas suffisamment proche, une créature G sous-développée sera produite. Donc ça marche dans tous les cas. Je suppose que le seul individu suffisamment proche génétiquement seront les amphibiens biologiques du sujet. Okay, cool. Donc je pense pas qu'ils vont le montrer, mais ils en parlent au final. Donc ils en parlent. Ils en parlent que William est après sa fille. Munition améliorée pour le SLS-60. D'accord.